très précisément 21h02, soit 2 minutes après l'enclenchement du couvre-feu. On n'entend plus un bruit dehors, hormis les derniers retardataires qui se dépêchent de rentrer. Donc, une bière à lac, non. Une bière, un bar, non plus, puisque j'ai loupé le bar. Donc, ça sera une bière, un appart. Regarde. C'est bon, on voyage quand même. Une bière à un appart. Bon, dans la furie de trouver un bar pour boire une dernière bière, j'ai oublié d'acheter du pain. Donc ça, c'est... Regarde. Du pain d'il y a 15 jours, hein, qui est foutu. Donc une bière à un appart, bon, bah, on voyage vraiment à proximité. Ça rappelle des souvenirs. J'ai refait la déco des chiottes. Hein. Je me suis déjà mis en tenue, non pas de randonneur, mais de mec qui va pas tarder d'aller se coucher, hein, comme tu peux le voir, regarde. Et mis mes beaux patins de gars tout seul dans son appartement. Hein, voilà. J'ai également mis eh ben, la robe de chambre du Duc, le collier de fleurs de Damien McFly, je sais pas si je dois l'appeler Damien ou McFly. Et il n'y a pas à chier, ça rappelle quand même une mauvaise période il y a quelques mois, ça. Hein. Même mis le pyjama, regardez, pyjama, voilà. Mais bon, on va pas se laisser aller, on va quand même boire une bière. Comme tu peux voir, j'ai préparé un petit plateau avec beaucoup de viande. Hein. C'est-à-dire si un vegan ou une vegan veut venir ce soir, il va bien se faire chier. J'ai quand même préparé des olives, mais en même temps, rien à foutre là puisque c'est le couvre-feu, donc pas le droit de bouger. Donc il y aura plus personne qui viendra. J'ai également prévu, comme tu peux le voir. Le petit gel hydroalcoolique, hein, afin de, au cas où d'un seul coup je me mette à tousser, paf, je m'en mets sur les mains. Bien sûr, le masque, pour pas que je m'auto-contamine. Masque fait par Mamiline, que j'embrasse très très fort, qui est fait avec des bretelles de soutien-gorge. Masque de très très belle facture. Bon, j'ai du mal à le mettre, ça me tire les oreilles, après j'ai comme ça les oreilles inversées. Donc non. Et la bière du jour, une bière à l'appart, et ben c'est la bouche. Alors, bouche, pas comme le président, hein, la bouche, très bonne bière. En plus, ça, c'est la caractère. Bouche caractère, 12 degrés au compteur. Et je m'en vais me la foutre dans la gueule, hein, tout simplement. Regarde, dans un verre à chouf. Hop, on n'a pas peur des mélanges. Une bière, un appart. Voilà, santé à tous. Bah, joyeux couvre-feu de merde. Très bonne. Excellente. Bon courage une fois de plus à tous les bars, les restaurateurs, les artistes, les salles de concert et salles de cinéma, c'est horrible. Mais bon, on continue, on y croit, on se bat. Une bière à un appart. Et peut-être que plus tard, on fera une bière au lit. On verra. Voilà. Bonne soirée, à plus tard. Ciao, ciao!